exactement au même moment que l'équipe d'Argentine, maillot rayé, bleu ciel et blanc à gauche, et l'équipe de France, ainsi que des trois arbitres britanniques qui vont officier. Malgré ses 20 ans, malgré son titre de nouvelle internationale, fait un début remarquable. Ramos Delgado, Ferreiro. Oui, faute d'un Argentin qui était Ferreiro. Independiente, et c'est contre cette équipe d'Independiente qui a battu Santos, ce qui n'est pas un mince exploit, que l'Inter de Milan disputera au mois de septembre le titre de champion du monde des clubs. Les deux matchs aller et retour. Le premier sur ce ballon, Auxerre, aux prises avec Ferreiro. C'est celui-ci qui a le dernier mot. Ratine, Ferreiro, Luna. Auxerre, Ferreiro a le dernier mot. Rojas, intervention Marian, Ferreiro, la balle toujours pour les Argentins en position d'attaquant. Ah, bon tir en pivot. Intervention réussie de Ferreiro, mais la balle reste au bénéfice des Français. Auxerre qui va déborder peut-être Ferreiro, mais non, le déborde pas, obtient un corner. Bien joué Hervé, vraiment très bien joué. Rodi Giraud, Van Alèche. Jorkaer, Marian, Auxerre, corner. Les actions qui viennent. Ferreiro, Willington, pour en juger. Simon, Auxerre, Ferreiro. Herbin, Cardier, contre favorable à qui? À la France. Simon, Ferreiro, Ratine, Rendo, Luna, Auxerre. Herbin, Simon, Cardier, Marian, Auxerre. Baissé insensiblement de pied, alors que les spectateurs s'endorment un petit peu avant l'heure. Ferreiro. Marian. Auxerre. Très bien joué. Auxerre. Interception réussie par Ramos Delgado, bien repris par Cardiet. Tout de même l'impression que la France peut marquer un but. Raffé, Herbin, Auxerre, Cardiet. Simon. Marzolini, Ramos Delgado, Raffé, Herbin, Auxerre. Raffé, Ferreiro, Rendo, Willington. C'est du petit jeu tout cela. Willington,
la balle rebondit sur le poteau, la France a eu chaud. Albrecht. Ramos Delgado. González. Ce qui est toujours assez triste de voir un match se terminer sur un score négatif. Raffé. Ferrero, Raffé. Ferrero. Ferrero fait la remise en jeu. Auxerre. Cardiette. Auxerre. À la lutte avec Ferrero. La balle en 6 mètres. Et maintenant, la fin du match qui se termine par un match nul 0-0 entre une équipe de France qui a dominé dans l'ensemble, pleine de bonne volonté, mais qui n'a pas réussi à conclure, et une équipe d'Argentine assez loin de ses prestigieuses devantures.